Voilà, je suis en compagnie de Thierry Séchant, une actualité donc à partir de Montréal, février 2014. La dernière fois, Thierry, quand on s'est rencontré, on a parlé donc des lettres à mon frère Renaud, donc et le roman de Sagan. Cette fois-ci, vous venez faire des rencontres avec des artistes plus pour la chanson. Oui, c'est exact. Ça fait 8 jours que je suis là et je dois dire que ça a été, je crois, payant parce que on a bien travaillé avec les meilleurs compositeurs. Je vous en reparlerai. Et je tiens à dire qu'une fois de plus, c'est un coup de pouce québécois qui m'a amené ici. Bon, certes, j'ai toujours, quand je passe plus d'un an sans aller au Québec, j'ai un petit coup de nostalgie. Mais je ne peux pas me permettre d'y aller trop souvent en vacances. Donc il faut que j'ai une motivation. Et là, si j'avais perdu pendant un an, il faut dire que j'étais dans d'autres livres, j'ai un nouveau projet de livre, le goût de la chanson, je l'ai retrouvé ces derniers mois et il a été accentué ces derniers temps grâce à Garou, et qui a repris une chanson à laquelle j'avais modestement participé, Je voudrais voir New York, qui a un bon succès, et ce qui fait qu'en plus il m'a permis de repasser dans le vert à la SACEM, c'est-à-dire j'étais débiteur, et grâce à lui, donc je me suis dit, ah maintenant ça vaut le coup, maintenant que je suis plus dans le rouge, ça vaut le coup d'aller travailler. Et entre-temps, bon, j'avais déjà deux vieux complices que vous connaissez sans doute, lui, Anthony Rozankovitch, qui écrit beaucoup pour le cinéma, les documentaires, et bon, qui est extrêmement doué. Francis, bon, qui accompagne actuellement, qui a accompagné Isabelle Boulay, et qui est multi-instrumentiste, comme vous le savez, qui est incroyable, qui joue de 10 instruments, et merveilleux mélodiste aussi. Et j'en ai trouvé un troisième en route, vous le connaissez sûrement. Un type étonnant qui m'a fait deux tubes à partir de deux textes qui étaient, je crois, assez forts, mais lui, il les a rendus franchement très forts. C'est Stéphane Tellier, et qui est un type merveilleux à tout point de vue, humainement et artistiquement. Donc là, j'ai trois compositeurs, et c'est vraiment ce serait le diable que ça n'aboutisse pas, parce que tout le monde, tous ceux qui écoutent les chansons, les trouvent. Aussi bien celle d'Anthony, de Francis que de Stéphane, les trouve formidables. En plus, j'avais, par l'intermédiaire de mon agent officieux à Montréal depuis 30 ans, Yvon Dufour, que tout le monde connaît dans le métier, je pense, j'avais l'opportunité de rencontrer, de travailler avec Martine Sinclair, qui a toujours un nom en France, même si elle n'a pas fait grand-chose ces dernières années, et qui pourrait revenir à mon sens. Et alors je l'ai rencontré avec des textes, je ne sais pas si elle les a même écoutés, ces chansons. Je crois qu'elle souhaitait qu'on travaille ensemble. On a commencé à le faire ce matin dans une salle qu'elle avait louée, mais je crois que c'était gratuit, au petit conseil des arts, quelque chose comme ça. Et on a fait deux chansons dans la matinée. C'est très agréable de travailler avec elle. C'est du ping-pong. C'est plus facile qu'avec Daniel Lavoie parce qu'il est extrêmement strict. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Et puis peut-être que c'est les rivalités de coq, je dirais pas de jeunes coqs. On commence à avoir quelques heures de vol. Mais alors qu'avec Martine, c'était beaucoup plus simple. Et donc, et bon, ben, je pense qu'elle va pouvoir revenir. Et moi, bien évidemment, j'ai toujours l'espoir quand je fais des belles tunes ici avec les compositeurs québécois et pour des chanteurs ou chanteuses québécoises, c'est de le faire revenir, faire venir quand ils ne sont pas encore venus ou quand ils ont été un peu oubliés, comme c'est le cas de Martine, en France, parce que c'est le grand marché, bien évidemment. Mais je suis là, je suis pour une fois. Les premiers jours, j'ai un peu douté parce que d'abord, beaucoup de gens, Francis était parti à Cuba, Anthony avait beaucoup de travail, Stéphane jouait aussi à droite à gauche, et puis tout s'est accéléré. Maintenant, je pars dans 3 jours, j'ai l'impression que j'aurais pu rester 10 jours de plus et travailler tous les jours. Ce matin, j'ai commencé à 10 heures du matin, et voilà, je continue avec vous. Après, je vais travailler avec Francis Cauvent, et puis voilà, donc je suis très heureux de ce séjour. Voilà donc des belles rencontres. On va simplement rappeler nos éditeurs votre dernier album,
à vous, donc date de 99, ce qui vous a valu donc quand même le Grand Prix de la Socan. Non, ce qui m'a valu le prix de la Grand Prix de la chanson populaire de l'année, c'est Luce Dufaux qui m'a valu un disque d'or aussi. Et c'est quand même pas mal de faire plus de 50 000 exemplaires. Ça représente plus de 500 000 en France. Et j'étais très fier. Et puis le prix Socan avec elle aussi, j'ai jamais eu de récompense en France, malgré tous mes livres et toutes mes chansons. Et pourtant, parfois réussi, je crois, d'après ce qu'on m'a dit. Et donc, la première grande récompense que je reçois, c'est au Québec. Ça m'a fait plaisir, quoi. Comme c'est mon pays d'adoption, c'est mon deuxième pays. Mais mon album, il est très aimé. Et malheureusement, il n'est jamais sorti en France parce que le producteur, qui était mon frère, n'a pas souhaité qu'il sorte, en me disant « t'es un écrivain, t'es pas un chanteur, moi je suis un chanteur, je suis pas un écrivain ». J'ai essayé de lui expliquer qu'il était aussi écrivain et que j'étais aussi chanteur, mais il n'y a rien eu à faire. Donc il a eu un petit succès au Québec, comme vous le savez. Ma chanson que chantais avec ma fille sublime de 10 ans a été reprise par Dan Bigra et sa nièce. Mais malheureusement, quand on n'a pas le marché français, tout ça, ça... Mais j'étais content quand même que ce soit apprécié. Et puis ça m'a permis de faire un peu de tournée, de faire les Francopholies de Montréal, d'aller à Sherbrooke, chanter à Québec. Voilà, c'était quand même pas un coup d'épée dans l'eau. Mais donc, entre-temps, vous ne chômez pas. Donc, vous êtes un écrivain prolifique. Vous faites beaucoup de rencontres, justement, avec d'autres artistes, d'autres chanteurs, dans la composition, ça ne veut pas dire qu'entre-temps, vous étiez entre deux, vous étiez au chômage. Ah non, c'est l'avantage d'avoir une double activité. J'aurais aimé même en avoir davantage, puisque j'ai écrit aussi 3 pièces de théâtre qui ont été très appréciées par de grands acteurs comme Laurent Terzieff, qui est une célébrité en France et qui a disparu, hélas. Mais malheureusement, en France, tout est cloisonné et les gens ont du mal à supporter que je sois écrivain et parolier. Mais ça, les gens se sont un peu habitués, puisque je sors un livre par an à peu près, et puis j'ai quand même 120 chansons enregistrées derrière moi, même si toutes n'ont pas marché, loin de là. Et certaines ne méritaient pas de marcher, je tiens à le préciser. Mais à une époque, je ne le ferai plus aujourd'hui, même quand je n'aimais pas du tout ce qu'on me proposait, je venais quand même parce que j'étais invité et que ça me permettait de venir au Québec. Voilà, je le dis, mais je ne citerai pas de nom. D'accord. Donc, suite à cette activité que vous allez reprendre, j'imagine, avec Martine Sinclair, est-ce qu'il y a d'autres rencontres prévues ? Oui, j'ai rencontré plusieurs fois Isabelle Boulay. Et ça fait des années, la première fois. Et puis récemment, quand elle est venue à Paris, où elle a eu un beau succès, et elle a tourné en province et en Belgique aussi. Et on s'est redit qu'on aimerait bien travailler ensemble. Bon, là maintenant, je sais qu'elle est à la voix, elle est de plus en plus sollicitée. Mais je crois que j'ai quelques belles tunes pour elle. Et puis comme Francis Cauvent a travaillé, retravaillera pour elle, je pense qu'elle les écoutera attentivement. Et puis à Paris, j'ai un contact aussi avec quelqu'un qui m'a fait découvrir, avant tout le monde du reste, que Daniel Lavoie m'a fait découvrir, c'est Garou, que j'aime énormément, qui est à The Voice en France. Vous voyez, c'est le paradoxe, nous en France on dit The Voice, j'ai honte. Et ma fille du reste de 10 ans adore Garou, tous les gamins adorent Garou. Et donc le fait qu'il ait repris ma chanson peut-être l'incitera à écouter attentivement les 4, dont 2 de Francis Cauvent et 2 de Tellier, que je vais lui proposer par l'intermédiaire en plus de son producteur animateur que je connais bien, qui m'a reçu à son émission sur une radio périphérique très importante en France. Et voilà, donc je suis assez optimiste, mais en sachant qu'il va falloir continuer à me battre, quoi. Parce que, comme vous le savez, on est à 5530 km et c'est pas évident d'avoir un agent, même officieux, à 5530 km. Il a d'autres choses à faire que de s'occuper quotidiennement de Thierry Séchant. Mais bon, moi, j'ai envie de me battre. J'ai eu une année 2013 plutôt calme au niveau des médias.
Mon Sagan a été très apprécié par ceux qui l'ont lu, mais ils ont été peut-être un millier, puisque c'était un nouvel éditeur. Et même si le fils Sagan a dit que c'était le meilleur livre qu'il ait lu sur sa mère, peut-être pas exagéré, je crois que ce qu'il a apprécié, c'est que j'ai pas insisté sur tout le côté un peu scandaleux qu'on a retenu de Sagan, les voitures de sport, l'alcool, la drogue, etc. Et que plutôt je montre mon amour à travers l'amour de ses livres. Mais bon, malgré tout, parfois il vaut mieux vendre 1000 exemplaires à des gens, être lu par 1000 personnes qui vont vraiment aimer et qui vont courir acheter du Sagan, plutôt que d'en vendre 10 000 à des gens qui vont dire « oui, bon, le Sagan, c'est pas mal, sans plus hein. ». Et donc votre prochain ouvrage porte sur quel sujet ? Mon prochain ouvrage est un ouvrage extrêmement difficile, c'est un défi. Trouverai-je même un éditeur ? Je n'en suis même pas encore certain, je le pense. Puisque après avoir écrit Lettre à mon frère Renaud, qui lui a très bien marché, bien sûr, parce que tout ce qui concerne Renaud marche, et puis c'est vrai que c'est mon préféré, et puis celui qui clôt la saga Renaud au niveau de mes livres, mais ça, les Lettres ouvertes, ça m'a plu, et puis c'est une tradition française, et donc du coup, j'ai voulu écrire un livre qui s'appellera Lettre ouverte à nos maîtres. Et donc, c'est un livre qui part de nos maîtres spirituels. Je m'adresse à Moïse pour commencer, bien évidemment. Cher monsieur, cher Moïse, et je voudrais vous dire ce qui va, ce qui ne va pas dans ce que je sais de vous, et en admettant que vous y existez, parce que l'existence de Moïse n'est absolument pas prouvée. Ensuite, naturellement, Jésus, et puis son enseignement, et Mahomet, ce qui m'a permis de lire le Coran, que j'ai trouvé passionnant, d'une grande poésie, et qui n'est pas du tout le Coran que des extrémistes, quand on le lit très objectivement, puisque, par exemple, il est dit « il faut respecter les autres religions », bon. Et puis après, je suis passé aux politiques contemporains ou plus lointain, Lénine et Mao Tse-tung, avec qui je ne suis pas très tendre, vous vous en doutez, et puis Obama, Poutine et Sarkozy, avec qui je ne suis pas très tendre non plus. Et puis après, je suis passé aux philosophes, et aux écrivains et aux artistes, et ça va de Bernard-Henri Lévy à Marc Lévy, ce qui est assez drôle, parce que ça va de Houellebecq, qui est bon, une star en France et dans 25 pays au monde, à Johnny Hallyday, qui est un mythe chez nous, une légende, hein, comme chez vous, Éric Lapointe, mais chez nous, c'est peut-être encore plus important, à cause du nombre d'habitants, bien évidemment. Et puis, voilà, j'ai 12 portraits qui sont parfois, qui relèvent un peu du pamphlet, parfois simplement de l'analyse critique, très honnête, avec le bien qu'il faut en penser, le mal que j'en pense, parce que chacun pense ce qu'il veut, voilà. Et donc, c'est un livre qui a nécessité quand même la lecture de 150 livres, vous voyez. Et donc, ça fait 7-8 mois que je suis dessus, et j'ai encore 3 mois de travail, quoi. Peut-être pour en vendre 2000 exemplaires, mais c'est pas grave. Il faut, tant que je survis, je cherche pas à devenir riche avec des livres comme ça, vous voyez. Ça nous a fait vraiment plaisir, Thierry Séchant, d'avoir toute cette actualité avec vous. Très bonne continuation et puis à très bientôt, j'espère. Écoutez, Louis, ça fait plusieurs. Vous êtes très fidèle en amitié et ça, voilà, ça fait plusieurs fois que vous m'interviewez. C'est toujours des, comme je le dis à plusieurs personnes, c'est toujours des interviews intelligentes parce que c'est pas toujours le cas avec tous les journalistes et pertinentes. Et donc mille merci. J'espère que dans 6 mois, dans 1 an, on en refera une. Et voilà, merci encore et bonne journée.